L'enjeu, c'est de parler d'une même voix mardi au ministère de l'Agriculture à Paris. Pour les représentants agricoles, c'est l'actuel gouvernement qui n'a pas respecté ce qui avait été convenu à l'époque du ministre Le Foll. Ils ont bien l'intention de le signaler. Le 1er janvier 2018, officiellement, la France n'a plus reconnu les surfaces peu productives telles qu'elles avaient été définies par l'ancien gouvernement Le Foll. Donc vous voyez, il y a une nuance, parce que nous, on nous a dit, on nous a vendu, notamment le ministre, lorsqu'il est arrivé, il nous a dit non, c'est l'ancien gouvernement qui n'a pas notifié à Bruxelles le travail qui a été fait. C'est faux. Parce que, en même temps, qu'on bloque la... Si l'État est jugé défaillant, ici on veut croire en la nouvelle majorité du Parlement européen. Le comité des régions a pris des positions favorables au mode d'élevage insulaire avec une valorisation des parcours. La nouvelle Commission européenne, à travers son comité économique régional, indique très clairement que les critères que vous mettez en place aujourd'hui pour contrôler nos surfaces et pour les rendre inéligibles, eh bien, sont caduques par rapport à la demande de ce nouveau comité économique européen régional. Élus, territoriaux ou consulaires, syndicats, tous acceptent de parler d'une même voix pour traiter le fond du sujet. En revanche, les tensions restent vives lorsqu'il est question d'accusations de fraude. Il y a eu des déclarations qui ont été maladroites dans la presse. Il faudrait faire attention, vous êtes politique. Quand vous parlez du monde agricole, vous ne parlez pas que pour le monde agricole. Il faudrait faire très attention. Quand on dit « et ou girouago », on check un match. Eh bien, la match, c'est nos parcours. Quand on dit, moi j'en ai marre des trains de savates, des gens qui vont au bar, c'est maladroit. Moi, ce que j'ai entendu dans la bouche de tous les représentants de syndicats agricoles, des institutions, c'est que les excès indéfendables, on ne comptait pas ni les reproduire, ni les cautionner. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Si on est d'accord, à un moment donné, il faut qu'on trouve le moyen de le dire. Pas que ça devienne l'argument central, pas que les choses se fassent par rapport à ça, mais qu'on le dise tout simplement parce que ça va crédibiliser l'ensemble de la démarche. À travers la remise en cause. En session, les différents groupes ont adopté une position identique. Le débat a été observé de près par les agriculteurs présents. De la mise en paiement des aides qui en découlent.